Bonjour à tous, nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui à Mérignac pour visiter l'entreprise Actéon, une entreprise innovante, active dans les équipements médicaux et notamment les solutions cliniques complètes. Valérie, bonjour. Vous êtes la directrice marketing du groupe Actéon. Pouvez-vous nous présenter votre société ? Très bien. Donc Actéon, bonjour déjà, bienvenue chez Actéon. On est ravis de vous accueillir. Donc Actéon, c'est une société qui est spécialisée dans les équipements dentaires essentiellement, mais également on fait des produits dans le médical et aussi pour le vétérinaire. Donc en termes de gamme de produits, on va proposer des gammes de produits d'imagerie, des gammes de consommables et de produits pharmaceutiques et là où on est aujourd'hui, tout ce qui est équipement, petit équipement pour le dentiste, donc à savoir des ultrasons, notamment la technologie ultrasonique qu'on développe pour les traitements de prophylaxie et également en chirurgie dentaire. Donc avec ici tout ce que vous avez, notamment la production donc d'inserts pour nos appareils ultrasons qu'on propose aux dentistes, qu'ils soient généralistes ou spécialistes. Jean-Michel, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici dans vos locaux. Merci à vous d'être venu. Quelle est votre fonction chez Actéon ? Je suis le cadre mécanique. Alors, je vais m'occuper de tout ce qui ressemble à la mécanique sans m'occuper de la production par elle-même. Pour ça, il y a un responsable, il y a tout ce qu'il faut. Moi, je vais m'occuper des investissements, des recrutements, des améliorations, tout ce qui peut être apporté à l'atelier mécanique. On le voit dans les ateliers, vous avez exclusivement des décos, des avadécos, une suite d'été maintenant. Oui. Pourquoi s'être tourné vers ces machines ? Nous, ça fait 30 ans, la première machine. Et on a commencé par des ENC, on a suivi avec des top 200. On a évolué grâce à Tornos et parce que c'était les meilleures machines déjà à l'époque. Donc, et puis surtout, c'est... On continuera toujours comme ça parce que fiabilité, robustesse, assistance. Nos relations avec Tornos, c'est fabuleux. Il y a un service commercial fantastique. Nous, on a des rapports avec tous ces gens. Le SAV est toujours à l'écoute et il répond tout le temps. Les pièces détachées. Et on a vraiment à Saint-Pierre, on a quelque chose qui de fort. Et pourquoi ? Parce que sur ces machines, on est passé de choses conventionnelles à tout finir sur la machine. Avant, il nous aurait fallu 5-6 machines pour sortir une pièce comme ça. C'est fini, aujourd'hui, ça tombe tout fini. Là. Vous parlez de robustesse ? Oui. Quel type de matériaux usinez-vous ? Là, c'est des 420, des 430, c'est des inox assez costauds quand même. Et on ne fait que de l'inox et du titane, de toute façon, dans cet atelier, on ne fait rien d'autre. Vous avez là dans la main un insert ? Oui, une ébauche. Aujourd'hui, on la sort fini et tous les plats, bon, on a développé des choses ensemble, des petits perçages, des petits fraisages pour faire sortir l'eau. Mais avant, je vous dis, ça prenait 5-6 machines et du temps. Et aujourd'hui, on sort des clones, les pièces. Et ça, c'est sûr que ces machines-là nous aident beaucoup, ça c'est sûr. Sur ces inserts, justement, il y a une opération de forage. Oui, le forage, c'est une longue histoire avec Tornos. Nous sommes les premiers à avoir utilisé le forage. C'est un peu difficile avec, parce que vous connaissez mieux les Suisses que moi. C'est pas conventionnel, attention. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vécu avec Tornos. On a mis 6 mois, peut-être 5, 6, 7 mois, je ne sais plus, pour développer ça. Et le forage, c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire.